Et salut à tous, c'est Narev, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Spiritfarer, pardon, avec Stella et Daffodil. Mais avant toute chose, sans obligation aucune, sachez que vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne, sachant qu'il y a au moins une vidéo par jour. Donc, on a enfin réussi à faire pousser un arbre dans notre verger. Et apparemment, c'est incroyable. Cet arbre, Stella, a grandi si rapidement. Je suis certaine que l'amour que tu lui as donné l'a énormément aidé. Les lois de ce monde le permettent. Eh bien, je suis heureuse que cet arbre soit maintenant mature. Je sais que tu te créeras de bons souvenirs ici. C'est là que j'ai beaucoup réfléchi. Toute ma vie, j'ai eu à prendre soin des autres. Cuisiner, récurer, m'occuper des enfants. Ils sont une vraie bénédiction, mais je n'ai jamais eu de temps pour le plaisir, l'aventure. J'ai pensé, si ce n'est pas trop te demander, évidemment, et puisque nous voyageons beaucoup tout le temps, eh bien, voudrais-tu peut-être m'accompagner pour un petit voyage, juste toi et moi? Ce sera agréable, je te le promets. Que penses-tu du petit hameau de Nordweiler, c'est ça? J'ai entendu dire que ça ressemble au paysage de mes romans d'amour suédois. Oh, comme je les ai dévorés. Quoi? Tu es aussi une fan? Je savais que tu étais une femme de culture. En tout cas, je crois que si nous allions là-bas, nous aurions beaucoup de plaisir. Eh bien, ce sera avec grand plaisir, mon ami, que je t'accompagnerai dans cette aventure. Et en attendant, nous découvrons un nouvel endroit de l'autre côté du miroir. Donc oui, on s'est déplacé jusqu'à j'ai oublié le nom. Voilà. Nouveau, ok. On a grandi, parfait. Donc on s'est déplacé jusqu'au quai de Nordsee. Puisque notre chemin, c'est pour la quête pour retrouver Giovanni. Et que c'était sur le chemin. Alors là, déjà, c'est fermé. Tu as ce visage. Lady Salzberg connaît les visages. Et le tien pourrait être sur une affiche, sur un panneau d'affichage. Tu ne parles pas, mais je peux imaginer ta voix et je la déteste. Mais on peut arranger ça en post-prod. On va demander à une des filles de faire le doublage et tout sera parfaite. Bah non, hein. Allez, on s'en fiche, hein, de ta vie. Bah non, on s'en fiche pas. Voilà, c'est du lore, ça. Oui. Tu feras une star en un rien de temps, nous en aurons, n'est-ce pas, Lady Salzberg? Maintenant, il faut trouver une co-star. Vive les stars, ok. Quelque part sous la canopée obscure. Comme Ingrid. Dans le Hall Central District. Ok. Trouve-nous le match parfait qui transperce l'écran. Ok. Le doux parfum du succès. C'est dans les broutilles. Parle à Ingrid. Ok. Ah non, on peut pas passer là? Ok, alors déjà il y a quelque chose ici. On va plonger. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Des pièces. Ok, bah ça rapporte de l'argent. Donc je suis pour. Ça avance beaucoup, je trouve. Non. Bon, bah sûrement qu'on doit pouvoir y aller d'ailleurs. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est loin quand même.
ici c'est pareil, je sais pas trop comment monter, je pense pas qu'on puisse rebondir. Voilà, là je peux faire ça, mais... Ok. Non, ça je peux pas faire encore. Ah, il y a encore des trucs ici. Ok, bon, ça il nous faudra une nouvelle habilité. Hein. Donc, la première habilité qu'il faut qu'on trouve, ce sera rebondir et ensuite glisser sur les cordes. Ça commence à faire beaucoup de choses. Ok. Ok. Non, on peut pas grimper là. Ça, je prends. Un buste antique, et bah ça sera toujours de l'argent. Non. Ouais. Ok. Ah non, là je peux pas. Si. Voilà. Là on peut pas rentrer. Et là il y a quoi? Là je dois sûrement pouvoir faire quelque chose, mais quoi? Pour l'instant je ne sais pas. En attendant, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça donnera rien parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Mais on va tenter. Ah, il en fallait pas beaucoup. Hein. C'est pas grave, on a surtout découvert le nouvel endroit, c'était ça le plus important. Donc pas tellement ce qu'il y aura à y faire, ça viendra plus tard. Allez, pour l'instant, on remonte dans notre bateau. Parce que là où on veut aller... c'est ici. Et pour aller ici, bah on va déjà passer là. Récupérer ces caisses. Tac, tac, tac. Oui, voilà, à arroser. Les tournesols. Ainsi que le thé. On peut peut-être récupérer le lin, oui. Hop, on va le faire. Et on va en replanter. On arrose le lin. Parfait. On va pêcher. Voir s'il n'y a pas des choses... Encore de nouvelles choses ici. Ah bah, on est arrivé. Cela dit, on va quand même tenter la pêche. Ah non. Bon. D'accord. Parce qu'on était arrivé sûrement. Oh là, il y a un truc à... Un plongeon à faire ici. Donc on va commencer par ça. Un minerai d'aluminium. Très bien. Oh! Collier dynamique, minerai d'aluminium et crabe des neiges. Petite moule. Et là... Graines de choux, graines de poire, graines de coton. Un tronor pour naviguer, oui. Oui, 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 je me doute bien. Cela dit, pendant ce temps-là, mouton,
Non, il meurt pas de faim, donc c'est très bien. Et l'autre? L'autre, on peut le tondre. Allez, salut! Je viens te tondre. Voilà, tondu mon petit mouton. Et donc on va pêcher. Je vais faire une petite ellipse jusqu'au matin. On va faire de la pêche jusqu'au matin, voir si ça nous rapporte. Allez, c'est reparti. On a découvert une ou deux nouvelles recettes, notamment le homard. On a pêché un saumon. On a récolté nos premières prunes, nos premières cerises et nos premières pommes. Et là, on se dirige vers la ville nécessaire pour la poursuite de... pour trouver Giovanni. Donc on va voir où tout cela va nous mener, sachant que Nordweiler, la petite ville où notre ami la Top veut qu'on l'accompagne, se trouve légèrement sur la droite. Donc ce sera dans le prolongement. Ce qui est parfait. Ah oui, on a également mis une graine à mystère dans notre jardin. On va voir ce que ça va donner. Comble chevalier encore. On vient de terminer une nouvelle recette. Hop, tiens, hop. J'en ai profité pour te tondre. Et on a découvert Lundberg. Hop, le mouton a été tondu. On va récupérer notre plat. Nouvelle recette, le mijoté. Parfait. Vous voyez ici, on a également mis des poireaux. Là, on a du lin, du coton. Et ici, je sais plus ce que c'est. Du riz, je crois. Donc, on vient d'arriver à destination. On va donc y descendre. Je crois que c'est Astrid, hein, qui recherche Giovanni. Je sais plus son nom. Ah, Stella. Il est passé par ici. Je le sens. Je ne te supplierai pas. Mais si tu pouvais... Oh, allez, tu sais quoi faire. Ok. Bonjour, toi. Ok. Qu'est-ce que t'as? Graines de chou, graines de coton. J'ai envie d'en acheter. Voilà. Câble de métal. Il peut être suspendu entre deux poteaux. Et du verre. Moi, j'achète tout. Ouais. Alors déjà, est-ce que tu peux monter là-dessus? Non, dommage. On peut te parler à toi? Ah, tu cherches quelqu'un qui se nomme Giovanni? Ah, mais ça, Bambina, ça ne me surprend pas une seule seconde, je veux dire. Qui ne me cherche pas? Je suis Giovanni. Leon Formidable. Désolé de te dire ça, mais tu es un peu jeune pour moi. Quoi? Astrid, tu dis? Elle est avec toi sur ce joli bateau? Non, dis pas plus, j'arrive. Ok. On va quand même... Ah, il y a ça là que je peux pas faire là. Ah, je suis frustré. On a trouvé quoi? Une recette, la fondue de bœuf. Ah, ça c'est cool. On va aller voir Astrid. Juste comme ça. Pas d'histoire. Vraiment. Il doit vraiment être désespéré. Partons. Et bah allez. Retour au bateau.
Ça sent le... Je pense que quand il va se métamorphoser, ce sera en lion. Hop. Oui, faut qu'on arrose. Bon, je peux pas. D'accord, je suis obligé de faire ça. Hein. Il est ici. Eh bien, ne reste pas planté là, accueille-le à bord, c'est là. Bon, voilà, on va l'accueillir. C'est la première chose qu'on va faire. Ouais, c'est ça. Il se transforme en lion. Giovanni. Astrid. Oh, Astrid. Tu es belle. Toujours. Tu es splendide, princesse. Astrid, je te cherchais. Partout où j'allais, tu n'étais pas là. Chérie, ma vie est vide sans toi. L'air goûte la poussière, le sol tremble, le ciel est sans étoiles, et il n'y a personne pour me gratter le dos. J'ai même dû m'acheter un grattoir. Tu sais, ce avec un manche en bois et une petite main en plastique. Arrête ça, Giovanni. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Je ne l'oublierai jamais. Mais je suis prête à te pardonner. Seulement, si tu me promets que tu vas bien te tenir. Peux-tu faire ça, Giovanni? Est-ce que je peux te faire confiance? Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux t'oublier ici et maintenant? Oui. Oh oui, ma princesse. Reprends-moi et je te montrerai à quel point je peux être digne de confiance. Je te couvrirai de cadeaux et je ne regarderai plus jamais les autres femmes. Au nom du ciel, j'arrêterai même de regarder tout le monde. Je te donne ma parole. Ok. Ok, mon Joviking. Mais tu as encore une période de probation, monsieur. Si je te vois faire un truc louche, je te tue. Tu m'entends? Maintenant, viens ici, j'ai tant de choses à te raconter. Et ben voilà. Les voilà rabibochés. Ok, on se parle plus tard. Ça me fait penser que... Hop, je vais pouvoir aller vite arroser... Mon coton. Parfait. Et ici, arroser mes graines mystère. Du coup, toi par contre là, je veux te parler. Ah oui. T'as faim? Je vais te donner à manger. Tiens, de la bouillabaisse. Truc spécial. Oh, c'est quoi ça? Pitchounette, oui. Tiens, j'ai fait ça pour toi. Oh, merci, des lingots de cuivre. Alors, il faut qu'on aille à Nordweiler. Donc on va se rendre à Nordweiler. On n'est pas très loin en plus, ça tombe bien. Ça nous permet de découvrir le reste. Parfait. Nordweiler. Allez, c'est parti. Hop, je vous ai fait une petite ellipse juste pour éviter le petit trajet. Parce que voilà. Et ben on a même pas démarré. Ben je comprends pas. Et ben c'est pas grave. Vous allez y avoir droit quand même au trajet. Hop. Ah. J'ai pas ton trésor. J'ai vu que tu avais choisi un lieu sur la carte. Quelle merveilleuse initiative. Bambina. Pas courir le monde, aller partout, rencontrer de nouveaux visages. Tout ça est si exaltant. Mais avant que nous allions à un endroit incroyable, pourrais-tu faire quelque chose pour moi? Allons ailleurs. Bon, je vais te dire un petit secret. Je veux rendre quelqu'un vraiment heureux. Chut, ne le dis pas trop fort, c'est un secret, je te l'ai dit. Et oui, tu l'as deviné, une dame bien spéciale. Je vais lui montrer à quel point elle compte pour moi. Ah, je savais que tu embarquerais, d'accord. Nous devons aller à Boncomte et compagnie, ok. Boîte de chocolat. Ouais, sauf que c'est hyper loin. Ah, il me semble, hein. On va quand même vérifier.
Ouais, parce qu'il me semble bien que c'est genre... Alors, attendez. Olga. Et les caisses. Port d'Alt. Où est-ce que je l'avais vu, machin et compagnie? C'était pas ici, c'était pas ici. Oh, je sais plus où c'est. C'est fou ça. Alors là, j'ai deux trucs à faire. Villa Maggiore. Martin Krip, Mingberg. Mosmostein. Là, il y avait quelque chose, un coffre rare à récupérer. C'était ici. Bon compte et compagnie, c'était là, là. Voilà. Ah, enfin bon, on ira plus tard. Découverte Nordweiler. Allez, on va y aller. C'est parti. Comme c'est vivifiant. Oh, Stella, merci de m'avoir amené ici. Oh, l'odeur de l'air frais de l'hiver et toutes ses couleurs. Moi, je me sens comme une jeune fille à nouveau. Oh, il faut y aller déjà. J'ai hâte de voir tous ces paysages. On a le temps, on peut se balader tranquillement. La fin de l'automne. Hein? On va l'acheter, ça. Oh, du poulet. Oui, j'en achète deux. Graines de poire. Et vendre. Non. Regarde ça. Une ancienne cage d'escalier en bois. Attention aux plaques. Ouais, attends, toi. On va te tendre. Ok. On te récupérera toi à la fin. Ouais, mais il y a ces trucs là, je peux rien faire avec. C'est pas cool. Les feuilles blanches. Ouais, mais moi il me manque une obole. Ça va pas le faire, bah oui, une sur deux. Pour l'habilité tyrolienne. T'es un peu fatigué, ok. Bon, ben on rentre à la maison. Donc, y a rien. Aïe 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 aïe, on a perdu un peu de temps pour rien là, c'est dommage.
Mais oui. Allez, allons-y. On rentre à la maison. Non, on va essayer de récupérer quand même le bouton. Oui, bien sûr. Ouais, on reviendra le récupérer plus tard. Pour l'instant, on en a deux. C'est suffisant, je pense. Allez. Alors, le poulet frit. Bon compte, donne la gravure. Cuisiner, recette. Mijoter, poulet frit. À manger au baril. Et du repas gras. Du poulet seulement. On va essayer, hein. Essayer ça. Donc on a c'est Furugawa, hein. Ouais, c'est ça. Furugawa, il me semble c'est loin. Eh ouais, il fait trop noir. Ok, on va faire ça. Oui. Ok, là on est bon. Alors, du coup, Furugawa, où est-ce que ça se trouve par rapport à l'endroit où on est? Alors, lui, il pourrait. Hummingberg, oui, il y a quelque chose à Hummingberg. Il reste un coffre rare et un mouton. Shima, Ozeki. B de Grill Tern. Bordalt. Olga. Faudra qu'on vienne ici. Anse de Mostein. Hummingberg. Ogawa, je sais pas. C'est fou ça. Je le vois pas. Ah, Furugawa, c'est par ici. Ah ouais, c'est loin. Hein. C'est hyper loin. Donc on va faire une petite halte ici chez Macha. Voilà. On va venir récupérer le plat. On va voir ce qu'on a réussi à faire ou raté à faire. Poulet grillé. Ah non, c'est pas ça qu'on voulait. Tu voulais me parler. Oh, c'est trop épuisant. Laisse-moi un peu d'espace. Ok. Voilà, je vais te faire un petit câlin, histoire de faire bien monter à une maison améliorée. Récemment reçu un câlin. Tu aimes les desserts.
On va aller voir ici. Voilà, parfait. Hop, ça. Le lin. On peut ramasser le coton. Et on peut ramasser le thé. On va remettre encore du coton. Et chez machin, on va pouvoir récupérer, je pense. Oh, beaucoup de choses là à récupérer. C'est cool ça. Je te laisse récupérer les pommes tout seul. Et on va faire une petite pêche. Machin, on y avait mis beaucoup d'aluminium. Donc on va pouvoir récupérer pas mal d'aluminium. Un saumon bleu. Oh, intéressant. On en a déjà eu un, il me semble. On arrive à destination. Oh, un mouton à tondre. Hop. Tondu. Salut Macha, comment tu vas? Oh, de l'aluminium. C'est très très bien ça. C'est raté. Allez, on recommence. Là, on a récupéré pas mal d'aluminium. On va en remettre. Voilà. Hop, on finalise. On finalise. Et ici, on mettra du fer. Nouvelle requête, tenir le bas du pavé. Déplace la maison d'Alice au niveau du pont. D'accord. Oui, j'ai terminé. À plus tard. On va en profiter pour aller se balader. Donc pas ici. Mais ici à Furugawa. Et pendant qu'on fait ça, bien justement, on va essayer de faire ça. Déplacer. Hop, si je te mets ça là. Ok, on est bon. Et ça, c'est la maison d'Alice. Ah, ça suffit pas, d'accord. Donc, on va faire ça.
Comme ça. Hop, on va venir te tondre. Ah, on va te nourrir aussi. Tiens. Toi, tu as quelque chose à me dire. Bien sûr. Ouais, mais ça c'est fait. Non, oh, ça va. T'as déjà super bien mangé. Eugène, où es-tu? À glacer le sang. Va voir Alice le matin venu. Un morceau de tissu. Vieille laine, une couverture, un morceau de tissu. Est-ce que j'ai quelque chose à te donner? J'ai pas l'impression, hein. Je vais pas te filer un vieux tapis quand même. Fibre de coton. Bon, on arrive au bout. On arrive au bout. Enfin, à destination. Donc, on arrive à Furugawa. Allez. On arrive à Furugawa, mais on verra ce qui s'y passe dans la prochaine vidéo. Celle-ci étant déjà arrivée à son terme et ayant duré un plus longtemps que prévu. Décidément, ce jeu, il nous emmène loin. Il nous emmène loin et à chaque fois qu'on fait une session, ça dure et ça dure toujours un petit peu plus longtemps parce qu'on est pris dans le jeu. On a toujours envie d'en voir plus. Ceci étant dit, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cela vous aura plu. N'oubliez pas le clap, à savoir commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.